Bonjour tout le monde, ici Milas. J'espère que vous avez bien, que vous avez profité de la journée parce qu'il fait vachement beau aujourd'hui, il faut en profiter. Et non, je ne peux pas te coacher, mon petit Quentin Bratasté. Je suis malheureusement en pleine game. Désolé, je suis en tuto. Ok, aujourd'hui une petite technique contre Zerg. Alors, hier soir j'ai regardé du Whitera, pendant 2 heures. Et Whitera contre Zerg, eh ben, c'est pas compliqué, il s'emmerde pas, il all-in de base. Et c'est sans doute une excellente solution contre les Zerg. Moi-même j'ai pas mal de soucis contre les Zerg, hein, je connais pas mal de techniques, mais celles qui marchent vraiment sont assez dures à mettre en place. Et comme vous le savez, un Zerg, une fois que ça a passé 12-13 minutes de jeu, c'est souvent la branlée. Pour contrer ça, tout simplement, je vais vous montrer une petite technique. Alors, comme vous avez vu dans le titre, c'est la base d'Immortels. Mais ouais, c'est Immortels, c'est pas assez joué contre Zerg, c'est tellement imba. Et je vais vous montrer un petit push à base d'Immortels et de Sentry, donc un Mass Sentry Immortel. Si vous aviez des soucis avant contre Zerg, eh bien c'est fini, c'est tout simplement fini, voilà. Alors, je prends ma vision, Milas, hop, 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 Milas, arrête tout là, calme-toi. Voilà, je viens de voir la B1 du Zerg, je n'ai rien vu, 2 minutes, donc ça sent la face expand. Donc j'ai mis ma petite probe, voilà, ici, dans la choke, pour voir s'il y avait un petit drone qui allait venir, et non, il n'y en a pas. Donc je pose en premier ma forge. Allez, ma forge, hein. Comme d'habitude, je pars sur une face expand à partir de forge. Ensuite, tout de suite derrière, je pars sur mon Nexus. Bref, je spoil pas, vous connaissez déjà. Alors, là, actuellement, vous voyez, 2 minutes 40, voilà, entre 2 minutes et 2 minutes 20, 25, 30, normalement, le Zerg va prendre sa face expand. Donc, pas face expand, ça veut dire qu'il y a une anguille, et il faut que je la trouve. Alors, est-ce qu'il y a une poule posée? S'il aurait pu poser la poule une fois que je sois parti. Et maintenant, il y a la poule. C'est-à-dire qu'il a posé la poule à la seconde où je suis parti. Ça veut dire que les Zerglings vont sans doute arriver. Voilà. Les cocons vont éclore. Je suppose que c'est du Zergling. Et moi, je veux savoir s'il y a une B2. Normalement, il n'y en a pas. Mais j'ai envie de voir s'il n'y a pas une B2 qui traîne à droite ou à gauche. Faut toujours faire attention. Comme j'ai vu la poule, j'ai posé mon Nexus en premier et tout de suite derrière, le canon photon, le très célèbre canon photon qui vous protège contre absolument tous les all-in Zerg. Voilà, ma petite sonde arrive dans la B3. Et dans les B3, il n'y a rien. Alors s'il n'y a rien dans la B3, on va voir la B4, on va voir la B5, la B6, la B15. Et j'ai foiré mon wall lamentablement. Bref. Bon, allez, petit overload qui est là. J'ai foiré mon wall simplement s'il est d'entrer ici et d'entrer ici. Bon, c'est pas la mort, mais c'est assez emmerdant. Pendant ce temps-là, alors, oui, vous avez vu, j'ai posé mon deuxième pylône en premier. Alors, je fais une petite pause, excusez-moi. Alors, je rappelle le build. Pylône 9, forge 13, nexus 17. Ensuite, vous pouvez poser votre pylône à 17. Vous recommencez à produire des sondes à partir de ce moment-là. Et tout de suite derrière, vous posez votre portail. Voilà. Derrière, je relance, excusez-moi. Derrière, sur les coups des 4 minutes, vous prenez votre premier gaz. À 4 minutes 10, vous prenez votre deuxième gaz. Voilà, vous prenez les deux gaz tout de suite derrière. Allez, et la partie va maintenant se poser tranquillement. Donc vous voyez, hein, toujours ma petite sonde qui vient voir B2, B3, B1, pour un petit peu ce qui se passe. Et derrière, tout de suite, je lance la production des sondes. Je balance mes sondes au gaz, très important. Mon portail va se terminer. Allez, portail est fini. Hop là, je vois les Zerglings. Qu'est-ce que je fais tout de suite? Je wall. Et je bloque. Et non, je bloque pas. Ah, les Zerglings sont passés. Mila, c'est Zergling. Putain, c'est pas vrai. Voilà, donc là, branle-bas de combat. Comment est-ce qu'on fait pour repousser des Zerglings? Voilà, on les circle en faisant un petit clic sur le minerai. Et derrière, je perds normalement pas grand-chose. J'ai perdu, voilà. J'ai perdu une sonde. Il a perdu à peine 8 Zerglings. Voilà, c'est une technique pour repousser un mass Zergling. Tant que c'est du Zergling, ça va. Quand on commence à avoir du Speedling, c'est un peu plus chiant, c'est les Speedling vraiment défoncés. Bon, il n'y avait pas de Speedling, donc c'est gagné. Vous faites un clic sur un champ de minerai, voilà, sur le minerai, et comme ça, vous circle l'ensemble des ennemis. Et c'est parfait, voilà. Allez, maintenant je fais mes deux petits zélotes. Donc vous avez vu, j'ai un petit zélote qui va arriver dans la B2 du Zerg. Le second petit zélote, toujours pas de B3, donc ma petite sonde là qui attend B3, B3 devrait bientôt te poser. Sauf que comme il a envie des Zerglings, je sais que je suis bien, parce que c'est-à-dire qu'il y a
moins de drones, et qu'actuellement, il y a peu de chances que je prenne un push. Ok. Alors, mon U cybernétique va se calmer. Va s'unir, excusez-moi, va se calmer, mais on se calme pas. Voilà, allez, la petite queen que j'ai chopée. Allez, la petite queen, la petite queen, la petite queen, la petite queen. Ok, la petite queen. Donc voilà, moi je suis dommage. Ça handicap, c'est bon, j'ai chopé des petites sondes et tout, voilà, c'est parfait. C'est parfait. Derrière, à la seconde où j'ai fini mon noyau cybernétique, je lance mon complexe robotique. Ok, ça c'est clair. Et je commence à produire de la sentry en masse. Bien sûr, comme tout Protoss qui se respecte, contre Zerg, je balance le plus en attaque. Et sur le coup des 7 minutes 30, je prends mes deux autres gaz. On est un petit peu avant, sur le coup des 7 minutes, 7 minutes 10. Je prends mes deux autres gaz parce que je m'attends, je vais avoir besoin de beaucoup de gaz. Ok, je commence à produire pas mal de pylônes, vous avez vu. En haut, j'ai quasiment... Voilà, je suis plutôt bien, il manquait bon une petite sonde. En bas, pareil, je commence à être pas trop mal saturé, sauf que j'en envoyais maintenant au gaz, donc faut que je continue à produire. Et à la seconde où mon complexe robotique est fini, je barre sur Immortel. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Je continue à produire, bien sûr, des pylônes pour éviter les supply blocks comme hier, parce que les supply blocks, c'est pas cool. Donc conseil, hein. Il y a toujours un petit œil sur vos ressources et également sur la population, c'est vraiment très important. Mon premier immortel va finir, j'ai lancé le deuxième en speed, vous avez vu, ma petite probe est planquée dans un coin. Voilà, j'ai mis deux petites sentries pour prendre l'Exenlaga, très important pour voir s'il y a un push qui se pointe. Le premier est fini, ok. Derrière, voilà. Maintenant je commence à être plutôt bien au niveau sonde, donc je me calme. Je pose un masguette. Voilà, j'ai encore posé une petite guette. Je pars sur sa diète, tout simplement. Allez, pose ta dernière petite guette, mon petit Milas. Voilà. Petite guette, voilà. Cette guette, robotique. Donc deux IMO, deux Sentry. Et mon push à pouvoir se préparer. Donc c'est un gros all-in de base, hein, qui marche bien contre Zerg. J'ai vu White Ral faire très souvent hier soir. Et j'ai voulu essayer. Donc le build, il est un peu de moi. Je l'ai un petit peu modifié. Il est plus ou moins fait à l'arrache. Mais tant que ça marche, c'est le principal. Le plus 1 attaque est fini. Tout de suite, je lance le plus 1 de défense. Je fais rapatrier mes sentries qui étaient en garde sur Xenlaga. Et j'ai posé un petit pylône à côté de la B3 du Zerg. Ok, j'ouvre tout de suite derrière l'ensemble de mes guettes. Je wall avec deux pylônes. Ça, je wall pour éviter de me prendre un run by qui pourrait me défoncer. Ok, et je warp de la sentry. Donc là, j'ai sentry, IMO. Voilà, c'est pas compliqué. J'ai pas mal d'énergie avec mes sentry vu que je les ai fait popper en premier. Donc ça a donné pas mal de glaçons. Et c'est ce que je recherche. Je chronoboost, bien sûr, tout de suite derrière mes guettes. Je refais popper du stalker. Et maintenant, je pars à l'attaque. Donc j'arrive à 11 minutes, même pas, 1 minute 30, j'ai 90 de pop. Bon, c'est pas trop mal niveau pop. Hein. Je suis un petit peu en retard. Il manque un petit peu de prod. Mais c'est pas grave. Allez, maintenant, on y va. On voit les Overlords. Et c'est, voilà, on voit les roches qui ont été warpées en urgence. Enfin, warpées, produits en urgence. Et maintenant, je chope l'ensemble des Overlords. Voilà. Donc là, on voit le gros supply block de la part du Zerg. Et maintenant, c'est parti. Glaçon. Allez, sanction. Glaçon. Voilà, on avance. Glaçon, y a pas de souci. Je glaçonne tout. Comme ça, je peux défoncer absolument tout. Allez, on glaçon. Hop là. Derrière, on reprend, bien sûr, des stalkers, y a pas de souci. Allez, on arrive, on bourrine dans le tas. Voilà, les défenses sont tombées. Et c'est le GG, c'est well play. Donc voilà, une technique à partir d'immortels et d'un mass sentry qui est vraiment très 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 puissant. Pour être bien, faut le faire arriver sur le coup des 11 minutes de jeu. Mais si vous arrivez vraiment à le mettre en place, franchement, c'est Imba. C'est vraiment un excellent all-in qui marche contre Zerg. J'ai vu White Rafter vraiment, que je vous dis, pendant 3 heures hier. Et ça a marché vraiment très très bien. Et je pense que maintenant, je vais partir là-dessus. Oh, Imba Protoss. Oui, je sais. Et alors également, une petite question. Alors, est-ce que ça vous intéresse que je commence à faire des voids pour l'ensemble des autres races, donc à savoir Terran et Zerg. Malheureusement, j'ai pas le niveau en Terran et Zerg. Par contre, j'ai d'excellents amis qui jouent au niveau Master. Et je pense que je pourrais prendre leur technique et les montrer, ça leur ferait très plaisir. Et ça permettrait de diversifier un petit peu. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de Protoss. Bon, j'adore le Protoss moi aussi. Mais c'est vrai que diversifier un petit peu, ce serait peut-être pas trop mal. Et la seconde proposition, c'est que je commente en direct des lives de Whitera. En gros, je mettrai sur son stream.
J'essaierai de le reprendre et moi je ferai un streaming de son stream en y ajoutant des commentaires. Voilà, donc dites-moi ce qui vous intéresse dans les coms ou en message privé, y a pas de souci. Ça me fera super plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine, bonne soirée et à bientôt.